Salut, c'est Tazano. Rapide vidéo pour vous expliquer comment récupérer davantage d'affinités avec vos personnages, avoir aussi quelques moras et des minés de renforcement bonus chaque jour si vous le souhaitez. Pour ce faire, allez à Inazuma, l'endroit où je me trouve. N'hésitez pas à mettre un marqueur comme j'ai fait sur ma carte pour vous aider à visualiser où vous placez par la suite. À cette position, vous allez faire apparaître une quête d'événements. Les quêtes d'événements apparaissent à des endroits bien spécifiques et vous en avez certainement déjà rencontré en jeu. Si la quête n'apparaît pas, c'est que vous avez déjà fait apparaître une quête ailleurs il n'y a pas très longtemps. Dans ce cas-là, faites un retour sur le portail de connexion à l'endroit marqué pour faire ensuite réapparaître la quête d'événement lorsque vous allez vous reconnecter. Ici, cette quête, il faudra juste nourrir un chien, donc aucunement besoin de se battre, vous pouvez mettre 4 personnages de votre choix pour monter leur affinité. Chaque quête va vous donner 15 d'affinité et ce sur chacun de vos personnages. Recommencez la manipulation en vous replaçant à chaque fois au point sur la carte. La déconnexion va permettre de remettre les pendules à zéro sur le jeu pour vous faire réapparaître à nouveau la quête. Il y a cependant une limite sur ces quêtes, qui est de 10 par jour, ce qui veut dire que vous allez pouvoir répéter ce que je fais 10 fois par jour afin de gagner jusqu'à 150 d'affinité et ce sur chacun de vos personnages. Faire une 11e fois ne vous donnera plus rien même si les quêtes continueront d'apparaître. L'affinité permet de débloquer des succès, mais une fois fait, ce sera plus pour la complétion, débloquer le thème du personnage en affinité 10, ou pouvoir écouter des dialogues dans le menu du personnage. Sinon, vous avez dû voir qu'on ne gagne pas que de l'affinité, vous aurez aussi des moras et des minés de renforcement. Durant cette session rapide, j'ai fait par exemple 10 minés de renforcement raffinés et 3 renforcements mystiques. En termes de moras, j'ai fait 14 310 moras. Il faudra compter 6 à 7 minutes pour les connexions rapides et un peu plus pour les PlayStation 4 par exemple. Donc si comme moi vous aimez compléter davantage et avancer votre affinité et récupérer un petit peu plus de mora et de minerais de renforcement tous les jours, c'est une bonne chose à faire. Sur le long terme c'est rentable, en 10 jours j'aurais fait par exemple 1500 d'affinité sur mes 4 personnages, environ 150 000 mora et un équivalent d'à peu près 30 minerais de renforcement mystique. Cette quête va vous demander une volaille à chaque fois, si vous voulez refaire du stock, profitez du désert de Subiru pour chasser des oiseaux. Comptez donc 10 volailles par jour si vous faites 10 fois cette quête tous les jours. Il existe d'autres endroits pour faire des quêtes d'événements, mais celle-ci est la plus simple et la plus rapide, et vous assure d'avoir 15 d'affinité à chaque fois, tandis que parfois certaines quêtes ne vous donneront que 10 d'affinité. Il y a bien évidemment d'autres façons de gagner de l'affinité, je vous donnerai davantage de tips dans de futures vidéos, en espérant que celle-ci vous ait plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, tous mes liens sont dans la description, je vous dis à bientôt, c'était Azano pour vous servir, à une prochaine.